Brazza Paris Info. Tout le monde est d'accord. Votre site de référence www.brazza Paris Info. Fimbo na Fimbo. Gaz na gaz. Vérité pour le centre cage. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, pas un homme politique comme à l'accoutumée, mais nous allons recevoir un grand homme d'affaires, monsieur Michel Mbongo, qui nous a reçu ici à Genève chez lui. Nous avons quelques questions à lui poser parce qu'on a fait tout le tour pour le chercher, le patrouiller, et on l'a repéré ici, dans la banlieue paisible de Genève. Ce grand homme d'affaires congolais qui fait la une de l'actualité, il est avec nous, nous avons quelques questions à lui poser. Michel Mbongo, bonjour. Bonjour Aristide, merci d'être venu. Bon, Michel Mbongo, on parle de vous partout, dans les business, dans vos sociétés que vous avez, du social, la fondation, vous faites beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement? Qui est réellement Michel Mbongo? Oui, Aristide. Bon, Michel Mbongo, c'est un Congolais, un jeune Africain congolais. Et je suis dans les business et je suis aussi dans le social. Et voilà un peu qui est Michel Mbongo. Donc voilà, j'ai mon entreprise un peu basée un peu partout le monde, mais voilà, ici à Genève, là où vous êtes, c'est notre siège social. Donc voilà. Et j'étais surpris même comment t'as fait pour se retrouver ici, quoi. Voilà. Je sais que tu aimes faire des enquêtes. Ben, mais voilà. Bon, ok. Michel Mbongo, quel est votre parcours? Vous avez commencé où pour arriver là où vous êtes? Bon, alors, Michel Mbongo, d'abord, il est congolais, il est aussi britannique. Donc, après mes études en Angleterre, j'avais pu obtenir un crédit, donc j'avais commencé petit, hein, avec mes compagnies de nettoyage. Et après, nous sommes allés dans les grands travaux, dans l'industrie pour faire un peu du factoring, c'est-à-dire faire du packaging. Donc voilà quoi. Donc Michel Mbongo, c'est quelqu'un qui parle anglais, qui parle français, qui parle Mungutuba, qui parle Badondo, qui parle Lingala, qui parle Lari. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et que vraiment, en dehors de mon entreprise, j'étais aussi consultant aux Nations Unies, dans les compagnies pharmaceutiques aussi, sur tout ce qui est finance. Parce que à la base, je suis un financier. Michel Mbongo, vous avez une fondation au Congo qui aide les démunis. Mais pourquoi pas aller créer des emplois au Congo? J'ai une fondation qui aide les démunis, c'est bien beau. Mais effectivement, les emplois, nous allons les créer comment? C'est d'abord former ces jeunes démunis, ces jeunes vraiment qui sont là dans la rue, sans soutien, il n'y a pas que des orphelins. Mais le programme que j'ai mis en place, c'est de créer des centres de formation pour les enfants vulnérables, apprendre la menuiserie, la mécanique, et en ce moment-là, et d'autres métiers. Et en plus, vraiment, d'ici 2 mois, il y a un centre qui va former les jeunes sur l'agro-pastorale, et ce sont les jeunes qui vont vraiment travailler pour la fondation, sur tout ce qui est agronomie. Voilà, et ça va aider aussi non seulement ces jeunes, mais la population d'avoir du produit à bas prix. Aujourd'hui, j'étais au Congo, ça fait peut-être il y a 8 mois de cela, mais j'ai vu que vraiment les gens souffrent, les gens ont du mal à trouver 2 ou 3 repas par jour. Et c'est pas normal. Donc voilà. Mais je vais créer des emplois, pas seulement aussi dans le cadre de la fondation. L'objectif est que mon entreprise s'installe au Congo, c'est Jambi Connect. Et nous sommes dans les grands travaux, dans les ressources humaines, dans la sous-traitance pétrolière. Mais c'est comme ça, c'est quoi? Notre pays traverse des moments difficiles. Ok, notre pays traverse des moments difficiles. Et dans le business, il faut savoir limiter les risques. On sait au Congo, ça fait depuis 2 ans. Mais on est en train d'observer, étudier qu'est-ce qu'on peut réellement apporter au Congo pour que nous ne soyons pas bloqués financièrement avec, et que nos factures puissent être payées, pas seulement par la fonction publique, mais aussi par le privé. Partout, vraiment, ça ne marche pas. Mais on a besoin, le gouvernement congolais aussi a besoin des jeunes cadres comme nous pour venir aussi booster les choses. Donc, booster les choses ne veut pas dire que nous viendrons injecter l'argent dans la caisse de l'État, mais plutôt créer des emplois pour faire en sorte que, au lieu que les gens comptent que dans la fonction publique, mais essayer aussi de penser dans le. De dire, voilà, j'ai terminé mes études, mais je peux aussi travailler dans le privé. Et Michel Mbongo peut me donner d'autres opportunités. Trouver des business partners aussi. Il y a des hommes politiques aussi qui sont là-bas au Congo. Il y a des hommes d'affaires aussi qui sont là-bas au Congo, qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas faire le partenariat.
Donc voilà, l'objectif de Michel Mbongo, c'est d'arriver, voilà, j'étais technologie, qu'est-ce que je peux apporter au Congo pour mon pays, voilà, et qui a de l'argent, qui peut investir, et il y a des sécurités, parce qu'aujourd'hui, la personne peut avoir de l'argent, mais le malheur du Congolais, ah oui, c'est l'argent du pouvoir, c'est l'argent du pouvoir, mais attendez. Oui, on devait arriver par là. Bon, Michel Mbongo, là, on va rentrer un peu en vernaculaire, parce que notre émission, on parle en français au Lingala, qui c'est pour ratisser large. Ben, en tout cas, accusé Kenge, que Mbongo est dans le ou et que Mbongo, Denis Christelle, ça se montre que Pessa Inge, ça va faire un. Vrai ou faux? Ben, je vais d'abord dire que si. On m'en goûte pas de préférence. Bon, écoute, il y a qui m'en belle ou non. Oui, on m'en goûte la ouinze dans le Gomboma. Hein? Pour moi, moi qui n'a préférence vingt vingt dans mon bouche, mon lard qu'on sort là, y a qui va frère mon. Qu'est-ce que Christelle n'est-ce pas? Pourquoi pas qui juge un imbi? Y a qui congolais? Maintenant, faut pas mélanger ma mambo entre parce que c'est là que moi n'a Sassou et que Michel Mbongo, y a qui moi n'a Wenze, que donc peut-être que ou bien Michel Mbongo, y a qui la quinte, y a le nord, que donc peut-être que y a un Zambo n'est-ce non? Bah pas entre mes amis mon. Y a des gens des Congolais venus quatre ans en France, nous voilà salant agence mon en Angleterre. Donc il n'y a pas de raison, et les gens, il y a des gens qui témoignent que Michel Mbongo banda kusa devintama. Certes que ngisa mbongo peut-être a me payé moi coup de pouce ou pas. Mais non, mais si il y a pas de fumée sans écoute d'abord, c'est Christ c'est le coup de pouce. Comprenez-moi que ce qui vient de se transpétrolier non. Pourquoi moi qui basé na Dubaï, na Qatar, na Arabie Saoudite, mais pourquoi na Congo moi qui sala na Congo on peut ça mon si vraiment Christ moi de gérer pétrole. Si nous avons une question, mais il y a une question que Michel, puisque vous m'avez demandé, vous pouvez s'en bongo, gérer qui m'a pétrole quoi, quoi. Mais il faut se battre dans l'autorisation, il faut se battre dans comme citoyen normal. Et moi aussi, moi qui fais l'intention que ça m'agouille pour aller traiter les choses dans ma gouille pour que nous avons un contrat. Et je ne pense pas aussi que le gouvernement a besoin de gens. Le gouvernement a besoin des gens honnêtes, sérieux, qui viennent avec comme Bamindi Kouizaka, tu viens, tu. Négocier des contrats, guimé la caisse ça garantie bancaire angé, est-ce qu'il y a un bon pour supporter? Il y a pas de raison. Donc à la fois arrêter c'est un faux débat honnêtement. Les Congolais on n'aime pas travailler, on est comme besoin de bongo. Où est la franc-maçon? Où est le kendoki? Où est le bongo y a pouvoir à Sassou? Le PDG Michel Mbongo depuis Genève là où nous sommes ici. Maintenant, bête côté lingala comme guimé na Wenze. Maintenant, les lobes bana Wenze côté Yokola. Osho salani ni pona bango. Ose vrai ou nginda na yo na ndenge na yo, ou bima na ndenge na yo moko, osalani ni pona bana wenze, concrètement. Ouais, bon, mais le coup d'assez pour la bana Wenze d'abord, ni qu'on créer fondation où ils ont basé dans le Congo pour dire que voilà la fondation Michel Mbongo est à Wana. Maintenant, il y a le Michel Mbongo qui est toqué dans la porte à Bato pour dire que non, bon, y a que je rejoindre la fondation Michel Mbongo. On est aussi dans la bana Wenze, où vraiment il y a que l'on, où moi dans la bise à Colin rue Gomboma, dans 420 rue Gomboma. Hein? Donc, côté moko, mon sikati na ba Katali, mon sikati na ba zone politique vous sous ébélé. Donc c'est pour dire que vraiment bana Wenze bako konté na ngai na zone ya misala na zone mima vraiment bas emploi ébélé. Si que pour na bana Wenze le que on m'a employé belé. D'accord. Mais ce que au banda quand batozo c'est la peuple les uns les autres il y en a pas si. Jusque au banda makamango mon colonie. Non, mais en fait Mbongo Ezali ba projet Ezali qu'on est na lobby cette année beaucoup moins na résultat au résultat Ezali ba média national et ma média international ba ko mon ndenge Michel Mbongo iko et bana Wenze. Ya ka bana Wenze pika kati na mwana boku songo. Je suis d'origine comme Nazamo Dondo. Donc Olira Bankasa. Voilà ma dessus. Donc c'est pour dire que bana bokusongo bazo zelanga bana madingo bazo zelanga bana nkai bana dulizi. Donc ya ndenge moko pe bana uyo bana ya wiso bazo zelanga. Donc ngai na mona moko café ole donc ozala okene sud nazakuna okene le nord nazakuna. Donc misala na kozoma misala inako nazo s'engager honnêtement pour participer na passer na économie en mboka na biso et telema il y a pas que le pourquoi c'est le chef de l'état oui mais alors faut savoir honnêtement mboka mususu Sénégal ba Mali oyo toi na besoin ya bato oyo baso ya rapona ba investir na mboka et na ko s'investir et na ko s'engager na baninga ngami ndile pi na même ba investir na Congo ba telema. Michel Mbongo, on arrive pratiquement au terme de notre émission. C'était le mot, on a fait un show parce qu'on a notre vol pour Bruxelles. Tout ce qui est Bruxelles pour la Batoise, pour la Fondation. D'ailleurs, Lilo Basuka, s'il vous plaît, en quelques minutes. Lilo Basuka, nous avons dit que le peuple congolais, Bandi Kunangai,
nazosi na rabino boya ko rejoindre ngai bo essayer na ko découvrir Michel Mbungu ulibo zalaka kawana ya azanani asala kanini est-ce que ana mbongo objectif ya tipe na ko loba ke Michel Mbungu na mbongo na mbongo te objectif ya na mutu ya Michel Mbungu. Michel Mbungu ali espoir ya jeunesse na biso bundi mabo ina je le confie parce que na onction wana yali et je le sens moi-même. Donc et je des témoignages sur ça alors maintenant bien pour ma kambo ici ma pour mboka boya ko soutenir je na Michel Mbungu toke ko tonga Congo. Voilà ce que je peux dire. C'était le mot de la fin. Braza Paris Info, expert en exclusivité, expert en images exclusives, tout le monde est d'accord. Donc cette émission, comme vous le savez, ici nous sommes à l'hôtel intercontinental de Genève, à Otozo que nous avions vite fait à l'aéroport, destination Bruxelles. La suite c'est à Bruxelles. À très bientôt chers internautes.